Bonjour, c'est David. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi vous devez apprendre à dire non lorsque cela ne vous correspond pas, lorsque la demande ne vous convient pas. Vous allez voir que dire non, oser dire non, vous ouvre des portes. Oser dire non vous offre de belles opportunités. Avant d'aller plus loin, comme chaque lundi, prenez une feuille de papier et listez quelles sont les intentions que vous allez poser cette semaine. Partagez en commentaire la réflexion que vous avez avec la communauté afin que l'on puisse grandir ensemble. Comme je vous l'ai dit, nous allons parler du fait de dire non. Pourquoi, en fin de compte, nous devons apprendre à dire non lorsque cela ne nous convient pas? Alors, dire non, parfois, cela peut être pris comme de l'égoïsme. Tiens, est-ce que tu veux bien m'aider aujourd'hui, David? Ben non, non, je ne veux pas t'aider. Non, je ne peux pas t'aider. Non, je n'ai pas envie de t'aider. Pourquoi pas? Si vous n'avez pas envie d'aider quelqu'un parce que cela ne vous convient pas, parce que cette personne ne vous plaît pas, parce que ceci, parce que cela, peu importe les raisons, si vous n'avez pas envie de le faire, osez dire non. Parce que lorsque vous dites oui à quelque chose, vous vous engagez à réaliser cette chose. Et si vous vous engagez et que vous ne tenez pas parole, cela vous retombera dessus. Donc, très très important, prenez position lorsque cela ne vous convient pas, osez dire non. Et je vous parlais d'opportunités. Comment dire non, en fait, peut vous offrir des opportunités? Eh bien, la première chose que le fait de dire non va vous apporter, c'est de la crédibilité. En effet, les personnes qui ont l'habitude de vous utiliser vont remarquer et vont prendre conscience qu'en fin de compte, si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le ferez pas. Et ça, déjà rien que ça, ça vous ouvre des opportunités. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez faire de plus en plus ce que vous aimez. Ensuite, vous allez faire prendre conscience aux autres que c'est fini, le temps de vous manipuler, le temps d'abuser de vous. Troisièmement, vous allez rencontrer des personnes avec qui vous raisonnez. Très très important. Je vous assure, à partir du moment où vous acceptez qui vous êtes vraiment et à partir du moment où vous osez dire non à certaines choses, surtout lorsque ces choses ne vous conviennent pas, vous allez donc premièrement avoir plus de crédibilité. Deuxièmement, vous allez faire des choses que vous aimez de plus en plus. Troisièmement, vous allez rencontrer des personnes qui vous correspondent le plus. Et c'est ça ce que j'appelle se créer des opportunités, notamment en osant dire non, en osant être qui vous êtes. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, comme à chaque fois, sentez-vous libre de télécharger votre formation gratuite, votre formation offerte. Attention, gratuit et offert, les mots ont leur importance. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, si cela vous intéresse. Indiquez en commentaire pourquoi on doit plutôt dire offert que gratuit. Je vous partagerai cela dans une autre vidéo. Et donc, sentez-vous libre de télécharger cette vidéo, liker cette vidéo, partagez-la avec un maximum de monde afin que l'on puisse co-créer de la valeur ensemble. Et abonnez-vous dès maintenant pour ne louper aucune vidéo, une vidéo par jour, chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le samedi, j'envisage un live Facebook. Indiquez-moi en commentaire si le live Facebook pendant lequel on va interagir ensemble, pendant lequel vous pourrez poser vos questions, eh bien, si ça vous intéresse, indiquez en commentaire et on fera ça ensemble avec grand plaisir. Je prendrai le temps de planifier des sessions chaque samedi. On définira une heure, si c'est le matin, si c'est l'après-midi. On verra. En tous les cas, je suis motivé pour vous offrir le meilleur afin que vous puissiez faire de votre activité professionnelle le moteur de votre épanouissement. On se retrouve demain.